que ça sèche, je vais te montrer un truc. Mes parents ont acheté ce truc-là. Ça tend la pelouse tout seul, je trouve ça génial. De retour à la maison, je reste pour un petit moment ici. Je viens seulement de revenir de voyage. J'étais un peu out, et certains le savent, à cause de mon opération de l'épaule. Je suis contraint de rester encore 2 mois ici en France pour ma rééducation. J'ai vraiment hâte de reprendre un peu l'activité et puis même de repartir pour un autre voyage. En parlant de ça, plusieurs nouvelles, donc vous avez vu le titre de la vidéo, bien sûr on y reviendra. Et j'avais aussi envie de vous parler de 2 choses importantes qui vont arriver et une qui est déjà d'ailleurs arrivée, l'apparition dans le magazine L'Audacieux. Super magazine et je trouve qu'ils ont fait un boulot génial en tout cas sur ce tour en Asie, sur aussi mon voyage aux États-Unis. Ça m'était jamais arrivé, je suis vachement fier de ça. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve qu'ils ont vachement respecté finalement mes convictions par rapport au voyage. Ils ont parlé des rencontres et ils ont axé ça vraiment sur le côté plutôt personnel avec le feedback de cette aventure. Et c'est ce que j'ai surtout apprécié. Donc merci à eux, merci à l'Audacieux Magazine. Et puis d'ailleurs, si t'en veux un... Et donc du coup, si quelqu'un en veut un, je pourrais l'envoyer aussi. En faisant ma valise tout à l'heure, ça m'a fait penser, j'ai vraiment envie de faire des autocollants avec mon logo pour le mettre un peu à droite à gauche quand je pars. Donc je pourrais vous envoyer ça ainsi, avec un petit mot personnalisé, enfin bref, ce genre de truc. Bon bref, autre chose. Et puis je voulais aussi vous parler de la suite des événements, donc après cette période de convalescence de finalement 2 mois, ici en France, à rester dans mon appartement, et notamment sur ce bureau où je crée la plupart de mes vidéos, c'est là aussi où je réfléchis et j'organise la plupart de mes voyages. Et pour le prochain, je repars en Amérique, pas du Nord ni Centrale comme la dernière fois, mais bien en Amérique du Sud. En Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Uruguay. D'ailleurs, merci beaucoup à Hachette France pour ce guide du routard envoyé gratuitement. Et puis, j'ai vraiment envie de retrouver mon pote Mathias. Rappelez-vous, c'était lui qui était venu en Mongolie et qui m'avait suivi jusqu'en Chine. Et c'est avec lui que je vais réaliser ce trip d'un mois et demi en Amérique du Sud. J'ai vraiment hâte. Bon, et puis, trêve de blabla comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo. Alors oui, c'était un petit palier, mais je sais que l'année dernière, je m'étais fait un peu la promesse que si cette chaîne, en moins d'un an, atteignait les 1000 abonnés, j'avais fortement envie de continuer cette aventure de YouTube. J'ai l'occasion de le faire. J'ai finalement maintenant toutes les cartes en main pour réaliser ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire voyager, créer du contenu vidéo, être vraiment dans cette période de créativité, ça m'inspire énormément. Ce serait beaucoup trop cliché pour moi de finalement vous remercier tous et de dire merci beaucoup pour ces 1000 abonnés. J'avais plutôt envie de faire un truc original et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas suivi cette période, une des plus importantes de mes voyages, celle qui avait en Asie, celle qui a le plus compté pour moi, qui a commencé en septembre 2017 et je voulais revenir avec vous depuis cette période où j'ai décidé de me lancer dans la vidéo, de faire du voyage, de faire du contenu, jusqu'à maintenant. Petite rétrospective, c'est parti. Ça c'est moi Bruxelles, le jour des proclamations des diplômes. À ce moment-là, je ne me disais pas encore que j'allais faire un choix déterminant dans ma vie. Partir, voyager et faire ce que j'aime le plus au monde, de la vidéo. Le jour où j'ai mis les pieds dans cet avion pour la Mongolie, je me suis dit, merde, je suis en train de faire une connerie. Et puis le doute a laissé place à la liberté. On a dormi en pleine steppe, bu du lait de jument fermenté, rencontré des gens adorables et surtout passé du temps à admirer cette nature incroyable. Avec mon pote Mathias, on a pris le transmongolien jusqu'à Pékin, on a vu le visage de la Chine d'avant et mangé des trucs un peu glauques. Je suis ensuite parti seul pour Shanghai et sa région, j'ai retrouvé des gens géniaux et fait des choses que je ne l'oublierai jamais. Ma petite amie m'a demandé de mettre fin à notre relation, chose que j'ai acceptée, et je crois que son choix a été déterminant pour la suite de mes aventures. Arrivé en Thaïlande, j'ai parcouru le pays du nord jusqu'au sud, pendant 1 mois, accompagné de Mathilde. Que ce soit pour le festival des Lumières à Chiang Mai ou pour les îles incroyables, la Thaïlande m'a confirmé que j'étais en train de réaliser quelque chose de grand. Dernier pays en Asie, les Philippines. À Cebu, j'ai revu un ami youtubeur et son coup de pouce m'a fait croire en un avenir prometteur pour mes vidéos. J'ai plongé avec les requins, fait des rencontres fortes et je me suis promis qu'un jour, je reviendrai dans ce pays qui reste encore aujourd'hui mon coup de cœur. Retour en France. Comment dire? Bref, je suis reparti, j'ai réalisé un road trip de 4500 km avec mon père. Sûrement l'aventure la plus émouvante que nous avons partagée. J'ai vu la splendeur des parcs de l'Ouest américain, passer des nuits folles à Vegas avec mon frère, et surtout passer du temps avec lui. En revenant, c'était un peu plus clair. Je voulais faire ça, nuit et jour, partir, me réveiller dans un autre pays, monter des images incroyables, faire voler mon drone aux 4 coins de cette planète. Mais j'ai été stoppé par mon épaule. Et c'était long. Très long. Ça ne m'a pas empêché de repartir de plus belle, et ce voyage en République Dominicaine ouvre une perspective nouvelle sur mes vidéos. Maintenant, je travaille en collaboration avec d'autres youtubeurs, je m'entoure enfin des gens qui me soutiennent et qui comprennent ce que je fais. Et je me suis promis une chose, de ne jamais arrêter.